Et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a officialisé ce dimanche la livraison de F-16 néerlandais à l'Ukraine. Une annonce qui intervient au lendemain de la visite surprise de Volodymyr Zelensky sur une base de l'armée de l'air néerlandaise au sud des Pays-Bas et deux jours après le feu vert des États-Unis à la livraison par les Pays-Bas et le Danemark de ces appareils de conception américaine à Kiev. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que les Pays-Bas et le Danemark s'engagent à transférer des avions F-16 à l'Ukraine et à l'armée de l'air ukrainienne, en étroite coopération avec les États-Unis et d'autres partenaires, une fois que les conditions d'un tel transfert seront remplies. Les F-16 sont un pas de plus vers l'amélioration du bouclier de défense aérienne de l'Ukraine, des avions qui seront utilisés pour éloigner le plus possible les Russes des villes et villages ukrainiens. Avec Marc, nous avons convenu d'un certain nombre de F-16 qui seront transférés en Ukraine après la formation des pilotes et des ingénieurs.